Calendar events. 1. Birthday. 2. Wedding. 3. Anniversary. 4. Appointment. 5. Parent-teacher conference. 6. Vacation. 7. Religious holiday. 8. Legal holiday. 9. New Year's Day. 10. Martin Luther King Jr. Day. 11. President's Day. 12. Memorial Day. 13. 4th of July. Independence Day. 14. Labor Day. 15. Columbus Day. 16. Veterans Day. 17. Thanksgiving. 18. Christmas. Page 22. Calendar events. 1. Birthday. 2. Wedding. 3. Anniversary. 4. Appointment. 5. Parent-teacher conference. 6. Vacation. 7. Religious holiday. 8. Legal holiday. 9. New Year's Day. 10. Martin Luther King Jr. Day. 11. President's Day. 12. Memorial Day. 13. 4th of July. Independence Day. 14. Labor Day. 15. Columbus Day. 16. Veterans Day. 17. Thanksgiving. 18. Christmas. Page 22. Calendar events. 1. Birthday. 2. Wedding. 3. Anniversary. 4. Appointment. 5. Parent-teacher conference. 6. Vacation. 7. Religious holiday. 8. Legal holiday. 9. New Year's Day. 10. Martin Luther King Jr. Day. 11. President's Day. 12. Memorial Day. 13. 4th of July. Independence Day. 14. Labor Day. 15. Columbus Day. 16. Veterans Day. 17. Thanksgiving. 18. Christmas. Page 22. Calendar events. 1. Birthday. 2. Wedding. 3. Anniversary. 4. Appointment. 5. Parent-teacher conference. 6. Vacation. Good evening, everybody. How was your weekend? Is everything okay? All right. And you have already known the appointment that we have every evening from 8 to 9 with Marley Branch on the air. It's an English class where you stay home and learn English with me free. Okay, how you doing? How you doing? 16. Hello, hello, hello. 17. Okay. Thanksgiving. 18. Christmas. All right, all right. Share live. Okay? Share. 1. Before the beginning, it is important to share live. 3. Anniversary. Let's share first. And after five, parent-teacher conference.
Let's share. OK. Jeudi, moi salue nous, moi salue tout le monde, OK? Jeudi, nous gagnons un bel coup, OK? Live qui c'est nous pral parler de un groupe adverbe, OK? Qui marchait avec temps présent en anglais. All right? Nous pral parler de un groupe adverbe qui marchait avec temps présent en anglais. OK, Glass? Dites-vous un adverbe ça yo ou supposez utiliser le présent, hein? OK? Nous ba au pourcentage à qui pourcentage vous utilisez yo? C'est-à-dire chaque adverbe yo en anglais ou supposez utiliser à un pourcentage, OK? De 0 jusqu'à 100%. OK, Glass? Nous pral détailler adverbe ça yo ensemble, OK? Nous pral détailler adverbe yo et on connaît chaque adverbe nous détaillé, m'a ba ou des exemples, OK? N'a ba ou des exemples. On connaît son coup qui bien détaillé, son coup nous fait bien détaillé. Nous pas juste bon vocabulaire là, mais nous ba ou et puis nous ba ou exemple. Et cela hein, c'est à l'aide des exemples qui pral faciliter ou même ou comprendre bien effet phrase pas en anglais, OK? Thank for following Malébranche on the air. Merci le fait que vous suivez Malébranche on the air. Yon très bel coup anglais, OK? OK, as I say, généralement employé avec le présent simple en anglais. OK, Gléas, là nous dit présent, OK, présent simple. Dis d'abord, nous est always, nous est usually, nous est normally, nous est generally, nous est often, nous est frequently, nous est sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, never, ever, OK? Ça c'est une liste adverbe, OK, que on a besoin en pile qui vraiment utilisé en anglais, OK? Son liste adverbe qui vraiment utilisé en anglais, OK? Nous prenons le détail et faire des phrases avec yo chaque, OK, de façon pour capable bien comprendre adverbe fréquence en anglais. OK, Glass? Mais nous dit nous tout mettre signification au côté yo. Nous mettez pourcentage yo utilisé yo, OK? Ouais. Nous tout mettez pourcentage yo utilisé yo. Always 100%, usually 80%, 80%, normally 80%, often 70%, frequently 70%, sometimes 50%, ça c'est à pourcentage yo utilisé yo en anglais. Hein? Occasionally 30%. Seldom 10%, hardly ever, rarely 5%, OK? Never and ever 0% en anglais. Voici comment utiliser les adverbes en anglais et aussi les pourcentages, OK? Nous pral détailler et ba ou des exemples qui pral faciliter comprendre comment pourcentage au marché, OK? Alors dit I always tel bagay, mais à qui pourcentage ou utiliser, OK? Get ready, Claire. Share live. Mes amis, besoin au moins une soixantaine de monde pour suivre quoi. Partagez dans tout groupe, laguez dans tout groupe. Hein? Vin des moun sa yo ki la. Let's share the live, Claire. Okay? It is very interesting. Hein? Son bay ki vraiment intéressant, Claire. English, okay? Nous pral parler de always. Et puis, nous pral ba ou des exemples qui a facilité ou comprendre très bien, OK? Nous allons voir exemple yo et détailler pourcentage yo ba ou en anglais, OK? En nous encourager ça qui bon, partager dans tout groupe, hein? Invitez monde, venez distraire dans bel cours anglais ça qui fait live, OK? Du lundi au vendredi en attendant, all right? En nous encourager quoi, en nous partager, en nous continuer pousser pour pied devant, OK? Dit always signifie parfois, always signifie toujours, OK? Toujours, excuse me. Always qui signifie toujours, OK?
Lord, the always, ou parlez de toujours. Let me write it for you, hein? 16. Veterans Day. 17. Okay, Lord, the usually, ou parlez de d'habitude. Christmas. Page 22. Okay, d'ordinaire. Avant d'arriver là, parce que moi, je vais avoir un exemple sur côté là, ok? On a l'éclairs, nous allons voir comment yo marché et moi je vais avoir des exemples qui a facilité ou comprendre et comprendre bien quoi, ok? On nous continue à partager, on nous partager, ok? Let's share. It's very important to share a class like this. Yo coup comme ça, hein? C'est partager, hein? C'est partager, hein? Un bel coup comme ça, hein? Ok? C'est partager, hein? Ok? I give you 1 minute to share. Bon, 1 minute pour partager, hein? Nous allons commencer avec exemple, yo. Nous allons commencer avec exemple, ça, yo. Et pourcentage, yo, détail, yo. Comment, yo, utiliser avec pourcentage, yo, en anglais, ok? 1 minute to share live, please. 1 minute. Hein? On voit le 60 ou 80 100 moun, hein? On bel coup anglais comme ça, hein, clair. Ça qui passe, hein? On bel coup anglais comme ça, hein? On fait un petit partage, on peut partager, hein? On fait un petit partage, hein? Ok, on bel coup anglais comme ça, mes amis. On nous partage, hein? Ok, let's share. It's important to share a class like this. Bon, ben, un pile bel exemple. Comment utiliser a raise en pourcentage de 100%, ok? Usually, qui c'est 80% qui veut dire d'habitude, ok? Ou bien d'ordinaire, ok? Là, nous gagnons normally, generally, qui c'est 80%, qui veut dire normalement, généralement, ok? Là, nous gagnons often, qui est utilisé à 70%, 70% qui c'est souvent, ok? Nous allons faire une pile belle phrase là, mes amis, une pile belle phrase. Partagez. Un pile belle petite phrase nous allons faire, ok? Bon, me font petit partage, ok? 16. Veterans Day. 17. Thanks. Ok. On nous parti, hein? Page 22. Calendar events. Ok. Let's share. On nous encourage, ben, bon bagay yo, hein? Ça qui bon. Ok, on a les classes. La mienne a raise, yo dit, let me utilise a raise en anglais. Ça va parler de l'IA. De utiliser. Son bagay que moi fait à 100%. Ok? A raise qui signifie toujours. C'est-à-dire. 100% en anglais, ok? Nous, à partir, salut tout le monde qui est déjà branché, hein? Ou même qui connaît, ou son fan inconditionnel, quoi, ok? Yeah, qu'on est toujours branché, ok? On a les classes. Gémoun, par exemple, qui baille tête, yon habitude, pour l'al dormir, par exemple, si m'y a habitude de chaque jour, dormir à 10h du soir, ok? Est-ce que nous là, hein? Ça c'est me supposé utiliser un adverbe de fréquence en anglais qui est always, OK? Comment adverbe ça yo utilisé en anglais classe? Yo utilisé en anglais, toujours partager. C'est entre sujet a, OK? Entre subject, OK, les entre sujet a, subject, ouais, entre sujet a et puis ouais sujet wedding. Adverbe sujet, adverbe, et puis verbe. Est-ce que vous voyez comment l'utiliser, classe? Ça veut dire, classe, si je dis, moi toujours al dormi, moi toujours dormi à 10h du soir. Ok? Ça, c'est un bagage que je fais à 100%. Hein? 100%. Moi toujours dormi 10h. Est-ce que vous voyez, classe? Laisse ça, je vais utiliser adverbe always. Qui ça me dit classe? On dit comment l'utiliser? C'est entre sujet a, ouais sujet plus c'est adverbe verbe. OK? Est-ce que nous hein? Kounia nous pas placer classe. Kounia qui ça me dit là par exemple? Dit toujours al dormir à 10h ou bien à 11h du soir classe. C'est facile qui ça me dit? Me dit la classe. I always
Go! Est-ce que je vais placer là, Gléas? Qui va le placer là? Je vais placer entre sujet et verbe là, ouais. I, mes verbes là, et puis mes adverbes là, ouais. I always go to bed. Ouais, Gléas, I always go to bed at 10. Est-ce que I always go to bed at 10. Qui ça nous dit la classe? Nous dit, moi toujours à la cabane, moi à 10 heures. Ça c'est yon adverbe de fréquence m'utilise là pour yon bagay que moi fait à 100%. Est-ce que la classe? Pour yon bagay que moi fait à 100%. Par exemple, classe, si chaque matin me lève, c'est café moi boire. Chaque matin régulièrement, me lève dans la cabane, moi boire café. Est-ce que la classe, par exemple? Kounan, ça c'est yon bagay mwen fè, c'est yon habitude gen, mwen fè régulièrement, mwen fè chaque jour. Plus que mwen fè chaque jour, Cléas, m'a utilisé always, parce que always a gen un pourcentage de 100%. Chaque matin, mwen bre café. Kounan, ça m'a dit la Cléas, m'a just vu la m'di, I always drink. Ouais. I always drink. Ouais, verbe là, always, pour aller placer entre pronom et verbe là. Ouais, I always drink coffee. Ouais, I always drink coffee in the morning. Est-ce que vous avez l'anglais? I always. Regardez moi qui a dit plutôt mes couilles. I always. Ouais. I always drink coffee in the morning. Ouais, moi toujours bre café le matin. Est-ce que l'anglais classe? I always drink coffee in the morning. Ça c'est un bagage que moi fait à 100%. Est-ce que là hein? Kounya, sou c'est un monde qui pas aimer café classe ou pas bre café chaque jour, ça arrive on bre café deux fois par semaine non, OK? Dans semaine m'a gagné 7 jours. Si me fait barre là tous les 7 jours, on fait le 100%, on m'a utilisé always. Est-ce que là 100% m'a utilisé always. Par exemple, moi toujours relé maman dans téléphone. Ouais, moi relé chaque jour. Ouais, par exemple, dit moi relé maman dans téléphone chaque jour. Et mais qu'est-ce que ça m'a utilisé là? Plus que c'est chaque jour, dans 7 jours dans semaine, non, tous les 7 jours du relé. Et bien m'a dit I always call my mother. Est-ce que là I always call my mother. Est-ce que là classe? Si par exemple, à ce moment-là, yon bagay que m'fè chaque jour, par exemple, yon dimanche, je vais à l'église, m'di, moi toujours à l'église chaque dimanche. Est-ce que là, hein? Plus que m'toujours à l'église chaque dimanche, et bien qui ça m'a utilisé? M'a dit, I always go to church on Sunday morning. Est-ce que là, hein? Moi toujours à l'église chaque dimanche matin. Est-ce que là, Glass? Do you understand? Est-ce que nous là? Est-ce que nous partager tout côté hein? Let's share glass hein? Besoin ouais au moins une soixantaine de monde à suivre bel coup anglais comme ça mes amis hein. C'est nous pour permettre moi Québec jam hein. OK. Let's share. All right. Merci à vous même qui déjà branché, qui déjà fait t-shirt pas haut, OK? Bien que cher yo pas nous pas qu'on cher vrai parce que c'est des n'importe sans combien cher. Un bel travail comme ça. Est-ce que la glace? Je dis, au monde, moi, par exemple, je dis, moi, well chaque jour. Est-ce que la glace? Moi, well chaque jour. Si moi, chaque jour, eh bien, son pourcentage 100%, 100% en anglais, c'est que moi, well à 100%. Est-ce que la glace? Je dis, I always see you. Ouais, bien facile. Est-ce que nous comment always? I always see my girlfriend. Est-ce que l'anglais? I always see my girlfriend. So get a team. I always see my girlfriend. Do I always see my girlfriend? Di toujours aimé nager. Si di moi toujours aimé nager. Ou pas besoin de poser une question sans encore clair. Pour dire how often do you see your girlfriend. Ouais, Gléas, est-ce que nous là, hein? Mais meilleure façon de poser la question, ça, Gléas. Est-ce que nous là, hein? How often do you see your girlfriend? Ouais? How often do you see your girlfriend? Mais qui ça m'a dit, là, Gléas?
I already see her. I see her every day. I see her every day. Do you understand? Like, ask me, you understand? Est-ce que nous avons comme un always en partie? Je dis always à utiliser en pourcentage de 100% en anglais. Ouais. I always go to bed at 10 p.m. Dis-moi toujours aller sous cabane. Moi à 10 heures. C'est laisse ça. Moi toujours, toujours, toujours. 100% pas prater. Est-ce que nous avons I always. Dis, you moun qui boit café chaque matin. Di gen yon habitude fè ça pendant son activité moun nan fè à 100%. Plus que elle fait activité ça à 100% glace chaque matin le café, eh bien qui adverbe de fréquence m'a utilisé en anglais, m'a utilisé always. I always drink coffee in the morning. Est-ce là hein? Maman toujours boit café chaque matin. Et bien tu dis my mother always drinks coffee in the morning. Maman toujours boit café le matin. You understand, Glass? If you understand, then turns up to show me that you really understand what I'm talking about, hein? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? On a les Glass. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, Glass. Huh? You see, Glass, I do my best. I do my best to teach you today. Because I am not okay, but I do my best. I strive to teach you today. Okay? Because I know I have an appointment with you. Okay? You're still waiting for the class. I'm going to wait for you. I'm going to wait for the class. Et puis, je fais le maximum d'efforts possible pour me porter le baou. Ça fait me partager, hein, cela, hein, en pile sacrifice, hein, cela, glace, ouais. Always, tout le monde voit comment utiliser always. Dis-nous, tout mettez pourcentage là, mettez ça dans tête tout, mais à qui pourcentage je vais utiliser mon sa yo. Et let me utiliser adverbe de fréquence sa yo. Moi, je supposé utiliser qui temps? Le temps présent. Baka dit, I always drink. Ok? Sola, glace, hein, ouais. I always drink. Je vous ai utilisé avec le temps présent. OK? Let's go, Glass. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. OK? On allait. Hein? On allait. Un pile bel exemple. On allait. Hein? Partagez, ouais. How often do you see? De vous dire, how often do you? OK? Là, vous voulez connaître combien de fois vous avez fait bagaille. Combien de fois vous avez fait tel bagaille? Est-ce là, hein? On dit, combien de fois vous avez maman dans la semaine? How often do you see your mother in a week? Combien de fois vous avez dans la semaine? Est-ce là, hein, Glass? How often? Alright, let's continue. On continue. Pabli, c'est un petit bagaille qui permet de faire une petite phrase facile. C'est avec vous, map venu pour vous. OK? Pour capable enjoy you. Même gens avec tout le monde qui a fait ces phrases sans aucun problème en anglais. Est-ce que glace? C'est ça. Je viens avec des petits bails très faciles pour vous, hein, qui a permettre de faire belles phrases en anglais sans aucun problème. Ok, glace, let's go. Hein? On allait. Quand la glace, on va quitter même phrase ça par exemple. Ouais, même always go to bed at 10, non? Et puis m'utiliser par exemple, et puis me dit, mon cher, ça son bagage me fait à 80%, hein. Par exemple, laisse ça, moi respecter peut-être 6 fois ou 5 fois dans la semaine. Est-ce là, hein? À la cabane, moi, à 10h du soir. Immédiatement, pour la glace, action ça, moi, fait à 80%. Est-ce là, hein? Immédiatement, je fais à 80%. Et bien, qui ça m'a dit, glace? M'a juste dit, I usually, hein? Listen, glace. I usually, ou gata wè, ba action sa, activité sa m'a parlé de li, c'est pour bagay mwen fait à 100%, mais mwen fait à 80% en anglais. So, like, glass, I usually go to bed, ou même braza, I usually go to bed at 8 o'clock. I usually go to bed at 10, okay? If I use usually class, that means the percentage that I'm talking about, pourcentage m'a parlé de lui à class, c'est 80%, c'est 80%. Est-ce que l'on a class? I usually use for 80%. Yo, utilisé pour 80%. Est-ce que l'on a? Ça veut dire chaque green fois ça, ou qu'à utiliser tout adverbe ça ou là-dedans, sans aucun problème, ça prend le dépend à qui pourcentage que vous faites action. Est-ce que l'on a class? Mais ma baou des phrases différentes pour capable enjoy ou même, est-ce que l'on a? Ouais?
Malbot des fois différent, par exemple dit he always cooks. Ouais, changez là. He always cooks at night. Ouais, classe, est-ce que c'est vraiment facile, hein? He always cooks at night. Qui ça le fait, la classe? Hein? Qui ça le fait, là, hein? Qui habitude, l'y gagne? Il dit, l'y habitude, quitte manger l'y en nuit. Est-ce que là, hein? He usually cooks at night. Ouais? He usually cooks at night. Hein? L'y habitué, quitte manger l'y le soir. Ouais? He always cooks at night. He always. He usually. He always. Simply he always cooks at night. Simply he always. C'est que régulièrement, chaque jour, manger, monsieur, par exemple, on est à travail, on dit là. Ok? Next one, on dit, he always cooks. Il va bien essayer ça. He always cook at night. Dis on dit là, il toujours cuit manger dans la nuit. Est-ce là hein? Elle dit chaque jour c'est comme ça, c'est dans la nuit qu'il toujours cuit manger. Est-ce là hein? Si par exemple, lui qui a fait 5 fois ou 6 fois dans la semaine là, OK? Elle dit il est 80%. Depuis il est 80% clair, sous dit he usually cooks at night. Est-ce là hein? Donc normalement, monsieur cuit manger dans la nuit, ouais. Hein? Est-ce là hein? Monsieur habitué cuit manger la nuit. He usually cook at night. Do you understand, glass? Do you understand? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là, glace? Hein? Do you understand? Wedding. Do you understand? Okay. Est-ce que nous là, glace? Hein? On bel travail comme ça, mes amis. En nous pousser, j'aime toujours dire. En nous pousser, est-ce que nous là? Hein? Parce que j'aime dire, si travail ça va pas facile, hein? Ti travail ça va pas facile sur internet là. En nous pousser, OK? Let's share, OK? Hein, supposez joindre au moins une cinquantaine de monde pour petit qui suivre travail ça mes amis, hein? OK? On a les glaces. Et cela, he usually cooks at night. Si me dit les habitude cuite dans nuit, son habitude mon n'a gagné activité ça mon n'a fait à 80%. Et cela, hein? Activité ça, il fait à 80%. He usually cook at night. That's all right. He usually call me in the morning. Well, he usually call me in the morning. Eh? Mzi, qui ça? Li habitué relèm le matin. Ça son habitude, monsieur gagné à 80%. Well, mzi, avec ça, on font paquet de phrases, mes amis. Par exemple, mzi, she usually calls me, in the afternoon. Where glass? He usually calls me in the afternoon. That's all right. Li habitué le moins le après-midi. He usually calls me in the afternoon. That's all right. Li habitué le moins le après-midi. That's all right. She usually calls me in the afternoon. Hein? Yeah, qui habitude ligue là? Ligue habitude relèm l'après-midi. Mais habitude ça, à combien pourcent ligue? À 80%. Est-ce que vous avez glass? Est-ce que tout le monde là? Est-ce que tout le monde là? Ils ont mis chaque temps, ouais. Belle travail ça, pas qu'à quitter un sang. On comprend? Un sang monnaie. Un sang monnaie. Est-ce que vous avez glass? Hein? Est-ce que vous avez? Qu'on a dans les glaces, toujours, hein, on a les encore, hein. Qu'on a, c'est là, toujours sur belle petite phrase, hein, faut avoir quatre belles petites phrases, hein. She usually calls me in the afternoon. Li habitué l'aim, ouais, ou bien me dit, ordinairement, c'est l'après-midi, li relim. C'est là, hein, me dit, li habitué l'aim, l'après-midi, ouais, me dit, she usually calls me in the afternoon. C'est là, hein, glace. Pour ça, tout glace, par exemple, si je toujours prends déjeuner, à 8h du matin. Attendez, moi prends déjeuner à 8h du matin. Je toujours manger le matin à 8h. C'est là, hein? Comment m'a dit ça? On allez, yo moun faut faire ça moi. Hein, moi toujours manger à 8h. Je toujours prends petit déjeuner moi à 8h.
On a les du matin. Let's go, class. Let's go. Let's go. On a les rapide bon moi. Bon moi, comment on a fait là? On a les. Est-ce que là, moi, toujours prendre déjeuner moi à 8h. On a les 8h du matin. Moi, toujours prendre déjeuner. Voilà, let's go, class. On a les fais-moi nous. Share the life, please. All right, good. Share. C'est un bon bel travail comme ça. Pas qu'il y ait 30 personnes qui regardent. Let's share. Hein? T'as supposé que t'en as 30 personnes ça. T'as supposé même dans n'importe 150 shares. Un bel travail comme ça. Hein? Y'a pas qu'il y ait moins qui regardent. More than. I share it more. Okay, good. All right, let's continue class. Let's go là. Hein? Mais si ma peine la vous n'a pas dit class, moi toujours prendre déjeuner, attendez. Mon cher, moi toujours manger le matin à 8h. Est-ce que là hein? Mais pour me dire ça, faut pas utiliser un adverbe de fréquence, yo vraiment utiliser en anglais. Est-ce que là hein? Mais qui ça m'a dit class? I always have breakfast. Est-ce que là, regardez bien class. I always have breakfast at 8 in the morning. We are at 8 a.m. That's what I 8 a.m. I always have breakfast at 8 a.m. Where are you going to ask me? Je dis toujours prends petit déjeuner moi à 8h. Ouais, m'utiliser toujours. Quand immédiatement classe, moi pas prend lit régulièrement à 8h du matin. Ça qu'arrive que dès l'aime prend à 10h, OK? Est-ce que là hein? Mais c'est à 80%. Immédiatement c'est à 80% classe. Ma lampe là always on là, me dit I usually have breakfast at 8 a.m. Est-ce que nous avons class? I always have breakfast at 8 a.m. Est-ce que là, hein? C'est que, immédiatement, je dis always. C'est 100%. Chaque matin, régulièrement, je prends à 8h du matin. Est-ce que là, hein, class? Immédiatement, 80%, eh bien, je vais me retirer always là. Je dis I usually. Est-ce que là? I usually have breakfast. Ouais. I usually have breakfast at 8 o'clock. Me dit habituellement, me dit pas habitude. Ouais, me toujours prendre à 8h. Ça veut dire c'est pas respecté. Est-ce que là hein? 8h là pas respecté pendant tout jour. Est-ce que là glace? Et bien m'utiliser usually qui pas bon moins 80%. Est-ce que là glace? Est-ce que tout le monde là? Ou bien me glace, me dit normally. OK? Mais normally, on peut mettre normally devant phrase là sans aucun problème, hein, sur la glace, hein? Me dit normally I have breakfast at 8 o'clock. Hein? Ouais, normally, example, let me write for you, pour m'écrire, hein, ouais, glace. Normally, ouais, si vous voulez mettre normally avant, hein? Normally, ouais. Normally I have breakfast. When change la at 8 a.m. That's what I glass. Then normally I have breakfast at 8 a.m. Okay? Même je tout m'ka vin la glass, m'di generally, what? Listen to the pronunciation, huh? Generally, what? Normally, I have breakfast at 8 o'clock, 8 in the morning. I have breakfast at 8 a.m. Est-ce que la glace? Ou bien me dire la glace, me dire? Generally, I have breakfast at 8 a.m. Do you understand, glace? Est-ce que la glace? Yo, vraiment utile, vraiment utile pour utiliser, ok? Parce que tout ça va faire glace avec un pourcentage dans un jour ou bien dans une semaine, j'en fais ou supposé utiliser mon ça, ok?
Quand nous parlons de glace, comment on utilise à 70% en anglais, ok? Let's share, 45 moun, mes amis. Si nous partageons la privée dans ça, on allez, let's share, share, share live. Hein? On encourage ça qui est bon. Hein? On a les glace. Est-ce qu'on a les offens qui utilise à 70% pour nous? Si nous parlons de 70% pour une semaine qui gagne 7 jours, les capables 5 jours, ok? Les capables 4 jours, hein? Après, on a les glace, par exemple, hein? Ok, moi je I always have breakfast at 8, ok? Je dis ça, son bagay qui respecte, yes, qui respecte, je toujours prends déjeuner moi à 8h, ok? Sans rater, ça va gagner ratement là-dedans, 8h, pardon, ok? Quand on a immédiatement 100% pas respecté, eh bien, on a 80% malé, non? Usually, ok? On allait, hein? On a les glace. On a les pour offen. Je dis comment offen utilise glace? Offen non, c'est pour 70%. Ouais? C'est 70%. Plus que offen non utilisé à 4 à 70%. Ok? Tout suivre. Avec tout ça yon ou même. Ou ka boyon paquet si exemple. Ok? Et c'est non là, hein? Avec ça yon comme exemple. Ok? Moun ki nan groupe WhatsApp yo. Ma voye photo ça. Chaque moun a ban mwen deux phrases avec. Youna avec adverbe ça ouais c'est chaque moun a ba mwen deux phrases mais c'est pas exemple mwen ba yo OK tout exemple mwen ba là ou pas gen droit utiliser yo ou pas utiliser l'autre exemple selon la glace ou pas utiliser l'autre exemple OK ndi la nou di normally aussi glace nka di aussi I normally go I normally go to gym. Ouais. Ça c'est à 80%, hein. Dis normalement toujours moi aller dans gym, ouais. Normalement m'aller dans gym. OK? I normally go to gym, OK? Normal fait sport, OK? I normally go to the gym. Ouais, glace, ouais. On arrive à 70%. Let me know 70% glace, OK? Vous n'avez pas le contrôler si moi j'ai 31 jours, si vous parlez de moi, vous avez combien de jours qui sont là-dedans qui ont un bon pourcentage de 70%. Si vous avez tout 30 planètes là, 100%, ok? Vous avez contrôlé la quantité de jours après qui ont un bon 80% pour aller utiliser yo, pour utiliser sans aucun problème. Est-ce que vous avez la glace? Est-ce que vous avez la glace? Vous avez la glace? Vous avez qui c'est souvent, ok? L'idée dit souvent, mais l'utiliser en anglais à 70%. Hein? C'est facile, même je ne te dis pas comment l'utiliser entre pronom et verbe là. Vous mettez le mi-temps. Par exemple, là, je me dis glace. We often. Même pas prononcer TA pour me dire often. Même me dis often. Ok, glace. We often watch. Vous ne prenez pas une phrase. Vous prenez des petites phrases très faciles. Hein? We often watch TV on Sunday. Where glass? We often watch TV on Sunday. Where? Ouais, très facile, hein? Nous avons une grosse phrase facile, c'est pas facile. Parce que l'anglais n'est pas courant dans le gros bagay. Ouais. We often watch TV on Sunday. Est-ce que là? Nous souvent regarder télévision le dimanche et sur la glace, hein? We often souvent qu'on a qui laisse arriver. Ça arrive, hein? Elle dit là on prend ton regarder télévision en vrai c'est le dimanche, hein? On soit utiliser leur pourcentage de 70%. Dit we often watch TV on Sunday et sur la glace. Ouais, importance utilisation on, là on a parlé de date, et sur là, hein? Tale am de di in the afternoon. Le ma parle de après-midi, tale am di in the afternoon. Le ma parle de matin, di in the morning. Le ma parle de après-midi, di in the afternoon. Le ma parle de nuit, di at night. Est-ce un petit exercice qui fait avec préposition yo, que m'te bien détaillé dans le coup passé yo? Ou même qui bat là, ou m'a cliqué sous lien qui sous Facebook là, à sous YouTube là, ou après, comment utiliser les prépositions en anglais. Ouvel, enjoy ou après.
pendant m'a utiliser tout là ou après m'a faire là dedans parce que m'étant connais gens yo utiliser sur la glace. Nicolas, we often watch TV on Sunday. We often watch TV in the afternoon. Where? In the afternoon. Where? So like glass. Huh? We often watch TV in the morning. So like glass. Et il faut connaître comment utiliser le fait phrase pour pas faire erreur là-dedans. Yo, OK? Si tout nous même monsieur qui a envoyé si de voir ça et là m'va parler sur hein. Et là m'va parler sur hein. Pas vrai Christina. Et là m'va parler sur yo. Moun ki pa vle fè devoir, ouais, c'est nous là, hein. I always have my breakfast every morning at yeah, okay? Mhm. Normally I have breakfast at 8 a.m. Very good, huh? What are you? No, where are you, Chris? Where? Okay? What am I? What I am? I am an English student, okay? Okay. What I am an English teacher. Who I am? Okay, you know who I am. Let's go, class. We often watch TV on Sunday. What is the exercise we do with the prepositions in English? Si me dit we often watch TV on Sunday, ça veut dire class, moins utiliser, moins regarder télévision 70% dans semaine là ou bien dans mois, ouais, à 70%. Dit c'est pour bagarre me regarder chaque jour. Hein, pas regarder télévision chaque jour. Kouna immédiatement regarder télévision chaque jour, hein, yo mando pour utiliser un adverbe de fréquence, de pourtant de chaque jour, c'est que là gen un pourcentage de 100%. Si gen pourcentage de 100%, eh bien là, m pa t'ap di often encore. Dabdi, we always watch TV on Sunday. Sabe, la pagon dimanche ki rate. Est-ce que l'anglais glace, ouais? We always watch TV on Sunday. Pagon dimanche ki rate la, 100%. Est-ce que l'anglais glace, 100%. Chaque dimanche, régulièrement, nous regardons la télévision, ouais? We always. Est-ce que Kounya, si gen kek dimanche fou, un grand dimanche ka rate kon sa. Et dim non 80 ou 90%, hein? OK? Ouais, non 80 ou 90%, on peut utiliser aujourd'hui aussi, hein? OK, en 90%. Mais qui ça me t'a pas dit la classe? M'a dit oui, usually watch TV on Sunday, OK? Là, m'ka rate un dimanche nan mwa, 90%. Est-ce que la classe? Est-ce que tout le monde là, hein? Hein? We often 70% m'ka rate un dimanche, hein? OK? We often watch TV on Sunday. Okay, do you understand, class? We often have dinner at noon. Qui ça dit la classe? Nous souvent prenti dîner nous à midi, at noon. Ouais, at noon. Ouais, important ça, préposition gagné. Parce que là, on va parler, on va utiliser en pile. C'est donc bel koum devant nous, vous comprenez? Bel koum devant nous, là. Hein? Comment utiliser les prépositions en anglais? C'est vraiment un bel coup, hein? Est-ce là, hein? C'est vraiment un bel coup. Parce que des fois, parler anglais, monsieur, ça à présent quand même. Ou pas capable d'utiliser, yo. Est-ce que nous, là, en classe? Ou pas capable d'utiliser, yo. Hein? Bel coup, m'a pas capable de bel coup, ça, yo. Ou pas capable au moins, on descend, on a regardé en live, on ça, hein? Hein? Ça, c'est triste, hein, mes amis, ouais? We often watch TV on Sunday. Ouais? We often watch TV at noon à midi. Ouais, glace, c'est nous là. Hein? C'est que là, il y a trois prépositions qui font exercice. Hein? We often watch TV in the afternoon. Ouais, préposition à jouer là, hein, ça là, hein. Elle dit, faut qu'on ait joué de préposition, hein. Ouais, comment tu joues la fête là? OK, on va toujours passer sur channel YouTube là, on va prendre pinni, hein, pinni mes amis, passer sous lui, Albert Love là, à regarder bel coup anglais. OK, et pour qu'a questionner moi, OK, nous même qui là monsieur me déjà dit ça, nous on devra en faire. On va petit devoir avec les adverbes de fréquence et puis quand on va l'utiliser, chaque adverbe de fréquence vous faites deux phrases et puis moun ki sou groupe WhatsApp yo, OK, préparez-nous. Chaque monde a voyé deux phrases moi et là moi le si paraissait. OK, depuis nous pas faire ça pas intéresser blague devoir là dedans. OK, let's go class. Verse pour me dire live, all right? Live. Est-ce que tout le monde ouais? We often watch TV on Sunday, OK? Often, OK? We often, non?
nous utiliser à 70%. Je dis pour l'autre comme qu'a utilisé à 70% qui est frequently, ok, frequently. Même je m'ka vina tout clair, m'ka dit we often watch, m'ka dit we frequently watch TV on Sunday. Ouais, c'est 70% aussi, ouais. Frequently, hein? Fréquemment. Est-ce que l'anglais classe? Fréquemment, hein? Ouais, même si on l'écrit à E, il prononce comme fréquemment, hein? Bah, on peut français à sortir avec, hein? Est-ce que l'anglais classe? Fréquemment, ouais. Frequently, 70%. Ouais, 70%, hein? Fréquemment. On peut étirer là, mettre là, la bombe, même 70%, hein? Est-ce que l'anglais, hein? Ou na ou ka même prend même ça ou fait même phrase avec ou quelque glass ou vin là ou retire often et pour mettre frequently ouais est-ce que on a glass nous dit là li adverbe de fréquence comment nous li au glass nous vin là nous dit always qui c'est toujours 100% usually OK dans des glass usually qui c'est soit 80% OK ou 90%. OK? Maintenant, on parle 90%, hein. La plus bon pour 90%, hein. Un soleil clair. 90%. Normally. You see, clear? C'est des belles prononciations. Normally. 80%, hein. Normalement. OK? Mais là, dit usually, c'est d'habitude ou bien d'ordinaire. OK? Often, nous pas dit often, mais nous dit often. OK, Gléas? Often. Frequently, donc paquet mot en anglais côté T pas prononcé, et pas celle T qui mon paquet lettre qui pas prononcé. Vous comprenez? Mais ti bay ça c'est des petites vidéos que n'a pour n'a jeune sur YouTube. Vous comprenez? C'est sur YouTube là n'a pas jeune parce que parler de grande famille non hein. M'a bon bel vocabulaire là, belle grammaire, mais des petites techniques faut nous passer sur YouTube là hein. Que ou m'pina pour joindre pour capable amuser avec nous sans aucun problème. Mais c'est nous là, ou d'accord? Très bien. All right, good. OK. On vient toute belle cour ça yo. Live, mais gade ti technique. On va faire passer sur YouTube là. Non 10 minutes ou enjoy regarder yo pour qu'a faire t-shirt en anglais, OK? Sometimes. Let me utilize sometimes. Sometimes what when we utilize sometimes appeal. Sometimes c'est pour 50%. Est-ce que là? Sometimes, ouais. I sometimes love, OK? On musique qui dit sometimes I love, OK? Sometimes I love, ça veut dire li pas aimé à 100%, c'est à 50% parfois. Ouais, parfois, hein? Parfois. Le bon de sometimes, c'est que ça fait ou fait parfois. Par exemple, si me dit I sometimes go to bed at 10. Well, I sometimes. Dis ça son bagay, si c'est maintenant que 7 jours, mon ka fait non 3 jours, ça dépend 4 jours, hein, ouais, sometimes. 50%. Est-ce que là en anglais? Sometimes. Dis ça son bagay me fait à 50%, là moi utiliser sometimes, OK? Est-ce que là en anglais? All right, let's share, ouais. Est-ce que là en anglais? Hein? Vous n'avez pas par exemple? Bah écoute la classe, si vous par exemple dit parfois moi oublier anniversaire. Ouais, ça veut dire dit connait des fois m'oublier anniversaire madame moi. Est-ce que la classe? Ouais. Pour me dire ça m'a utilisé sometimes. Vous connait parfois m'oublier anniversaire madame moi. Est-ce que la classe? Est-ce que nous hein? Qui ça m'a fait classe? Moi dis sometimes forget. Ouais, par exemple, I sometimes. Même quand dis aussi clair, sometimes. Dis I sometimes forget my wife's. OK, let me apo so S là, c'est pas le verbe to be hein, mais c'est plutôt le cas possessif. Wife's anniversary. My wife's anniversary. Ou bien dit my wife's birthday. Ouais. Ou bien dit my wife's birthday.
Elles sont réglées, hein? Elles sont là, hein? I sometimes forget, okay? I sometimes forget my wife's birthday. I sometimes forget my wife's anniversary. That's what I like. Ask. Qui ça me dit là? Dis oui, je parfois m'oublie anniversaire madame moi. Parfois m'oublie anniversaire. That's what I like. Ask. Parfois m'oublie anniversaire Intel. Ouais, parfois I sometimes forget. Oh, I sometimes forget your anniversary. I sometimes forget your birthday. Hein? Dis ça arrive même parfois même. Parfois me toujours oublier ça, ouais. C'est 4% hein, parfois. That's what I like. Eh? Sometimes you call me late. Ouais. Dis parfois ouais même ta man. That's what I like. Ouais. Sometimes ça au ca virer aussi, ouais. Sometimes, ouais. Sometimes you call me. Sometimes you call me late. Ouais, glass. Hein? Sometimes you call me late. Ils ont dit la glace. Ils disent parfois ils aiment tout le temps, man. Sometimes you call me late. C'est ça, hein? Ils disent parfois on prend temps pour bon quoi là. Hein? Sometimes you take time to give me my money, my friend. Hein? Sometimes you take time. Sometimes you call me late at night. Hein? Well, I'm tana aswe. Got you late at night. C'est dans la glace. Hein? Parfois, well, I'm tana aswe. Sometimes you call me late at night. Why, my friend? Pourquoi ça, man? Sometimes you call me late at night. Okay? Do you see glass? Let's go. Exactly, I'm watching. Sometimes I feel like lazy. Oh, I don't believe. Your race do your homework. Great, happy to hear that. Okay, I am good, my friend. Okay, Glass, very good. Invite your friend. Don't forget, invite your friend to like the page. Invite your friend to subscribe on my YouTube channel, please. If you really want to help me, you want to support me, okay? You want to give me hands, all right? What you have to do is talk to your friend about my YouTube channel, about my page on Facebook, okay? Try to talk to your friends, all right, class? Encourage them to give a like, to subscribe, to leave a comment. I'm gonna be happy, class, when I see a friend of yours or a friend of I don't know, okay? Leave a message and say, Carlo, invite me to subscribe on your YouTube channel. I'm gonna be happy, class. Do you understand? All right, let's continue. Eh? I sometimes forget my wife's anniversary. I sometimes forget my anniversary. Therefore, my anniversary pas moins bleu, eh? Therefore, I sometimes forget my birthday. Parfois m'oublie date naissance moi. Et son anglaise, et celle-là, sometimes you call me late at night. Hein? Dis à parfois William Tanas we. All right? Okay, you understand glass. En anglais de Gouna, nous dit là non sometimes c'est 50%. Et cela hein, c'est que son bagage pour faire à 50%, okay? Est-ce que tout le monde là c'est celle là? On allait prendre 30%. Là, on parle de 30% glace, on parle de occasionally. Ok? Occasionally. Laisse ça, hein? On dit occasionnellement. On va le faire occasionnellement. 30%. Ouais. Ou 30%. Laisse ça utiliser. Occasionally. Ok? Dis, par exemple, là, si on a dit, son bagage qui vivait, ouais, en 30%, ouais. Là, on a dit, I occasionally forget my birthday. Ok? Ouais, glace. En la même fois, ça. Moi, je prends, je mets tout adverbe de fréquence. Mais il suffit que je connais à qui pourcentage yo utilise yo sans aucun problème. Est-ce que la glace? On a la glace, on a utilisé 30%. Voilà. 30%. Vous pouvez faire le même bagage, par exemple. Je vais changer ça là. Je me dis oui. Occasionally, watch TV on Sunday. Ouais.
Gadi I occasionally go to gym on the weekend. No weekend, no fin semaine, ouais. Gavi la glace, mini la comme dit I occasionally go to bed at 10, ouais. On the même sa yo m'ka changé. M'fait même petit travail là, m'en placé moun sa yo. Seulement, vous me connaissez, je vais parler de toujours, d'habitude, ou bien ordinaire, normalement, souvent, hein, fréquemment, parfois, occasionnellement, rarement, ou presque jamais, ouais, jamais, ok? Lève le glas. On a un seldom qui dit qu'il utilise à 10% lui-même. Seldom, ou bien, si vous parlez de seldom, on dit, excuse me, on dit rarely. Rarely, ouais, Gléas, ça prononcé comme rarely, hein? Rarely, ouais. Rarely, qui signifie rarement, seldom, ouais, rarement. Puis, dans Gléas, si me fait bail là, par exemple, une semaine, une fois. Donc, non, moi, on l'est comme ça, le samedi, son bail fait rarement, hein? Par exemple, Gléas, me dit, the young people rarely like, par exemple, me dit, the jeunes, non, c'est rarement, hein? Rarely follow a good thing on the internet. Ouais. Di, je ne sais rarement yo gade sa ki bon sou internet la. Ouais, rarement. Y a di 10%. Ouais, pa gen pile. Est-ce là, hein? Di, rarement. Est-ce là? Ou jwen. Et me dit, c'est rarement, oui, pour haïtien encourager ou non sa wap fe. Ouais. Di, it's rarely, my friend, to get encouraged from Haitian people. Hein? It's rare. C'est rare. Ouais, m'ka jo di comme ça. It is rare. Ouais. It is rare. C'est rare. Ouais, c'est rare. M'dis c'est rare, my friend. You understand? I teach English every day through Facebook on the air. Okay? I rarely. Ouais, m'dis c'est rare, mon. I rarely get 60 people. Well, yes. I rarely get 60 people. Je sais rarement pour qu'il y ait 60 moun. Rarement. Est-ce que c'est? Ouais. I rarely. I teach English every day. I teach from Monday to Friday. But I rarely get 60 people. Est-ce que c'est clair? Je sais rarement pour que 60 moun. Est-ce que c'est? I rarely. Ok. The dernier fois qu'on get to fail. Ok. It's rare to do house cleaning. It's rare to clean your house. That's ok. Good. Est-ce que c'est clair? My aunt seldom use the sunglasses in summer. Exact. Well, very good, Christina. That's all right, yes. Well, seldom, avec rarely, c'est même bagay, utilisé pour rarement, ouais. I rarely get 60 people, okay? I rarely get 60 people watching the class on the air. Well, dis c'est rarement pour nous jeunes 60 moun kap gade class la en direct, ouais. I rarely get 60 people. Ouais, c'est rarement. Je dis rarement pour gagner 60 moun. Ouais, I rarely. Est-ce que c'est clair? Hein? Vous allez dire rarely. I seldom get 60 people watching the class on the air. Ouais. I rarely get 60 people watching the class on the air. Ouais. Est-ce que c'est clair? Rarely. Hein? Quand la souka dit. C'est très rare, mais vous jouez nous bon monde. It is rare to find a good person. To find a good person now, it's rare. Well, it's rare. Li ra. Est-ce que l'anglais est? Est-ce que l'anglais est? To find a person who is interested about learning through the internet, it's rare. Est-ce que là, li rare pour jeune monde qui est intéressé à apprendre nos bagages par internet. It's rare. Est-ce que là, hein? Yo plutôt ambiance, parler tendez fait 3 4 5 étapes tendez. Yo monde qui parler son pas rien en rien.
kap fè di paket vie bagay. E so la yè glas, it's rare. Ok? E se tout moun la yè, it's rare. Ok? An ale goun ya pou? Pou hardly ever. La di hardly ever, ok? Se pou sa. Oui sa di se pou sa? Paske debi bagay preske ya, la bze ou pou sa. E so la yè. Hardly ever, la di hardly ever, ok? Ki se preske jamais, ou itilize l a 5%. Paske never, se 0%. Hein, so la, hein? Kouna, si par exemple, mpa jom dormi a 11h10 soa kleas, ki sa m'a fè la kleas? Hein? Si mpa jom dormi a 11h10 soa, m'a just di, I never go to bed. La même ça par exemple, di I never go to bed at 10. Pas jamais dormir à 10h. Ça pas jamais existé. Mais là utilise never, faut pas la pas jamais fait même. Mais sur la glace, hein? S'il fait à même 100%, et ben utilise hardly ever. OK? Utilise hardly ever, presque jamais. Ça veut dire sur pas ou t'es fait comme on cap comme on dit ça, comme on cap font tivol on dit bah pop et bien courir. Sur la hardly ever. OK glace? Est-ce tout mon là? Thank you. All right. Vle le kwa fèt mes amis pou nou sek pa. Par exemple, nou pa l'utilize hardly ever, nou moto par exemple. Lan ka vin la glas m di I hardly ever drink. Ok, glas, est-ce que là, hein? Est-ce que là, glas? Quand on dit la glas, par exemple, on dit I hardly ever drink alcohol. Est-ce que là, glas, hein? Puis on dit là, hein? On dit presque jamais, hein? On dit presque pas boire alcool même, ouais, glas? I hardly ever drink alcohol. Hein? Je dis presque pas boire alcool même. Est-ce qu'on dit ça? Hein? Est-ce qu'on dit ça? Kounya, sou pas fumer, ou fait même bagay la glace. Est-ce la glace? On dit I hardly ever smoke. Ouais? Kounya, si c'est fumer ou pas fumer, ou mettez sous tête li, ou presque pas fumer même. Montez font ti goûter quand même. Est-ce la? Hein? On dit I hardly ever smoke. Est-ce que glass? I hardly ever smoke cigarette. Ok? Gide cigarette en anglais, cigarette. Ok, glass? Sans problème, est-ce que là? I hardly ever smoke. Dis presque pas j'en fume. On te fait l'eau fois quand même, est-ce que là? Hein? Kouna, si m'be pas te faire le même glass, m'dose dit I never smoke. I never smoke in my life. Pas jamais fumé dans vie moi. I never smoke in my life. Ouais. I never smoke in my life. Est-ce que là glace? Kounya, every, tout le devrait dire même bagaille. Kounya, si m'a fait question en glace. Dans question, on va utiliser never. Mais m'a utilisé every par exemple. Si me dit est-ce qu'on pas jamais fumer, hein? M'a dit do you ever smoke? Est-ce qu'on a glass? Do you ever smoke? Hein? Est-ce qu'on pas jamais fumer? Do you ever smoke in your life? Est-ce qu'on pas jamais fumer dans vie? Est-ce qu'on a glass? Hein? Do you ever smoke in your life? Est-ce qu'on a? Est-ce que tout le monde? Do you ever smoke in your life? Hein? La mbeze konen, eske ou pa jom fel? Wen m'utilize ever, hein? Ok? No! I ever smoke! Ouè? No! Ouè glas? No! I never smoke! Ouè? No, I never smoke! I never! No! I never. That's what I hear. Do you ever smoke? Do you ever? Est-ce qu'on pas jamais fumé? Hein? Est-ce qu'on va faire question? Et qu'on va me répondre? No, I never. Ouais. I
I hardly ever drink alcohol. Quand dit presque pas jamais boire alcool, presque pas, presque jamais, presque pas jamais faire, hein? Plus que c'est presque pas jamais faire, eh bien, par exemple si m'a dit presque pas jamais dormir à minuit, hein? Hein? C'est facile là, si ça m'a dit I hardly ever sleep at midnight, ok? Parce que midnight signifie minuit. Dis, presque pas jamais dormi à minuit. Est-ce que la glace? Hein? You understand? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Hein? Ok? Mes amis, nous, hein, Jean, pin channel là, hein? Ok? Thank you very much, Samedi, we are my friend. Ok, glace? Thank you, Léa, teacher, for help. I always appreciate that. Thank you very much, Daniela. Okay, thanks for your congratulations. Thank you very much. Okay, Léa, pas oublier mes amis, son bel coup. Nous faisons chaque jour, hein, seulement, nous mettons nous disponibles pour nous faire. Seul ça nous besoin, c'est encourager nous. Est-ce que nous avons encourager nous? Parce que nous sentons, depuis pas de encouragement, je ne peux pas camper, mais je vais juste diminuer en deux fois dans la semaine. Non? Ou bien trois fois, parce que si un bel travail a fait comme ça, mes amis, hein, bon, tout le ça, pour pas gagner encouragement, ou mettre ou mettre 50 personnes là, dire au passé, bon, un petit love, un petit encouragement sur channel YouTube là, après, fini, même un monde va passer, hein, it's not good, alright? On encourage, ça qui est bon, mes amis, don't forget to subscribe to me on YouTube. Thank you very much, Cédric, hein. Ouais, next time, yo kap invite moun ki ap encourager travail la, mes amis. Fais de même. It's a good job, okay? It's rare. Ouais, j'en ose dit là. It's rare, okay? Asse nous là, hein? Gen pile, gen plusieurs coups qui fait tout. Mais wap, ouais, je m'ap détaille le baou là, comme si y'en a classe sorte, hein? Y pas facile, hein? Okay? Y pas facile pour jouer. Yon ek kap ba ou sou internet gratis kon sa, free, kap detay ou ba ou, bon exemple, ki pral permet ou même ou ka fè a fè partout now. It's not very easy. It's rare, ok? Li pa facile, il ra, ok? It is rare, class, ok? Asse nou la, hein? Je know a person who teach or raise teach you with good explanation, avec bonne explication. It's not very easy. It's rare. Li ra, ok? Est-ce que là, hein? Wap jen apil, wap jen plusieurs coups anglais. Kap deta, kap fek ba ou, wap wè nan bon vocabulaire souvent. Hein? Normally. Li bon vocabulaire là, mais. Explique ou pou fè phrase pou quoi là. Yo pa jen ni kon sa, hein? Gade comment jen ni. Detaye le ba ou, bon exemple. Mouto comme mon café a fait pa ou. Est-ce que là, hein? Hein? Ça mérite encourager, mes amis, hein? Let's encourage. On encourage, hein? Ok? Give me a like, give me a subscribe. That's like Bella. Ou ta dit bon, gade moi même gap dépense l'énergie pour me faire m'a un problème m'a fait. Hein? Ça prend un si 30 moun qui l'a passé sur YouTube là. Sur YouTube là, ou clique sur ça, ou gade ou ti vidéo, ou bah yon subscribe. Pas grand, hein? Qui sorti sur moun nan, vous voyez, sur la glace, hein? Mais it's not. C'est pas facile. Pour jouer le monde, encourager ça qui est bon. Hein? Si c'est encouragement, vous attendez, vous avez vague. Est-ce que la glace? Hein? Pendant 3 mois, ça, si vous regardez sous le monde qui a suivi quoi, est-ce que là, hein? Là, vous avez vague? Si vous regardez pendant que vous avez fait quoi 3 mois, vous même 15 personnes, bon, jeune 15 personnes, même monde qui viennent suivre, qui passent abonnés sur le même YouTube là. Est-ce que la glace? Hein? Ça veut décourager, je vais décourager. Hein? Ou je vais continuer à frapper. Parce que je vais décider de faire, je vais faire, je continue à faire. Est-ce que nous là, hein? Mais il faut encourager. Il hein? Faut nous encourager ça qui est bon. Ok, Léas? Pas oublier, nous allons laisser un adverbe de fréquence. Ouais, tout pendant que je vais utiliser là, je vais utiliser avec des verbes au présent. Est-ce que là, hein? Je dis, I always go to bed at 10. He usually cook at night. Ouais, il a l'habitude de cuire manger la nuit. I normally go to gym in the weekend. Dit moi normalement moi aller dans gym le weekend. Ouais. L'endevin souvent là par exemple dit I often
I often talk to you. I often talk to you in the morning. Ouais, tout ça yo, ouais, verbe yo m'voye au présent, hein? C'est au présent. Parce que ou même qui sous groupe WhatsApp là, pas oublier, ou pas le pour faire pour moi deux phrases avec chaque moun sa yo, hein? Avec des verbes différents, hein? De, avec chaque sa yo, ok? Voye souli, voye pour moi. Pas la gueule, pas l'offin ferme, pas courir la gueule dans le groupe là, hein? Ok? Pas courir la gueule, hein? Femme signe, dim ou fini, m'a tout ça pour faire, ok? Léas? Very important, très important, hein? Parce que non seulement nous avons aidé au live, nous voulons bon backup tout à travers un groupe WhatsApp. Et c'est nous, ouais. En plus de sacrifice, mes amis. Et puis, chaque belle là, près de 64 ou 63 moun qui nan groupe WhatsApp là. À peine si vous avez 5 qui subscribe sur YouTube là. Oh mon Dieu! Les hommes méchants, merci. Thank you, my teacher. See you tomorrow. Good. Thank you, my friend. Ok, class. Don't forget, the class is every day. Every day, every day. Ok? It's only 1 hour. Seulement une heure de temps pour nous amuser nous ensemble. Non, belle langue ça, qui c'est une langue commerciale que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de faire deux, trois petits bagages là-dedans. Même lorsque vous n'avez pas besoin de parler bien, mais il faut que vous ayez une idée de lui parce que son langue commerciale, son langue tout côté où aller à travers le monde, vous avez besoin de monde qui a parlé. Ok? Oui, vous dans le pays Ching Chong Chong, vous avez besoin de trois monde qui a parlé anglais. Vous avez une meilleure façon pour communiquer à mon ça, c'est en anglais. Vous avez besoin de tout, hein? On va faire tourisme, par exemple. On va vivre dans tout gros pays où c'est anglais, wap jeune moun yo. Wap jeune moun ta presse voir yo, c'est anglais yo parle. Est-ce que là, hein? Faut qu'on ait pour dire ou même, c'est rarement moi visiter yon pays, ouais. I rarely visit a country. Ouais, faut qu'on dise ça, yo, hein? Faut qu'on utilise rarement là pour parler de, ou parler qu'on fait, de, qu'on a souti, ah, m'toujours visiter pays étranger. I always visit foreign country. Ouais, faut capable utiliser ça pour dire. C'est une idée ça me fait, hein. Ça fait me dire keep on following the class from my subscribers. Thank you very much. Okay. Okay, thank you. It was a pleasure to be with you tonight. Hope tomorrow at the same time, demain même heure pour un autre spécial coup. Songez semaine n'a pour nous faire pratique tout. Okay? Avant de faire pratique, je fais un test on the air. Si moi je joue au moins 15 personnes qui disent oui, il y a pratiqué on the air, je fais pratique. Si je joue au moins 15 personnes qui disent pour me faire pratique là, pendant que je fais live, je vais faire. Parce que plusieurs fois, je fais, c'est un monde, deux personnes qui jouent. Jusqu'à ce qu'il y ait un fin boulet, je vais jouer. Ok? Thank you for your following. Malébroche on the air. Seeing you tomorrow at the same time. Thanks for following Malébranche on the air. Bye bye.